Disagree? Well, say it in French. Let's start with our ten expressions. The first one is je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord means I don't agree. Je ne suis pas d'accord. And in spoken French, it is je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, 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 je suis pas d'accord. Second expression is je ne pense pas comme toi. I don't think like you. Je ne pense pas comme toi becomes in spoken French. Je pense pas comme toi. Non. Je suis pas d'accord. Je pense pas comme toi. Mais alors, pas du tout. Bien sûr que non. Bien sûr que non. So, of course, not. Bien sûr que non. Ah, oh, je ne suis pas d'accord. Bien sûr que non. Absolument pas. Absolument pas. Absolutely not absolument pas non non je suis pas d'accord je suis pas d'accord absolument pas non non je pense pas comme toi tu as tort tu as tort tu as tort means you are wrong tu as tort and because there is a contraction in spoken french tu as tort becomes t'as tort non t'as tort je ne suis pas d'accord et t'as tort OK tout le contraire ah oh. Tout le contraire. The contrary is what we want to mean here. Non, pas certainement pas. Tu as tort, je ne suis pas d'accord. Tout le contraire. C'est tout le contraire. Tu dis n'importe quoi. Mais alors, tu dis n'importe quoi. So what you say is nonsense. What you say is nonsense. Tu dis n'importe quoi. Oh, je suis pas d'accord, tu dis n'importe quoi. Je suis en total désaccord. So here the expression is être en désaccord. The meaning is to disagree. And if you add total, well, it's totally, you totally disagree. Je suis en total désaccord avec toi. Well, now it's not uh, that uh, strong. You can't say that you disagree, but uh, with the form, so peut-être mais so may mean that actually you disagree and you want to express your own opinion. peut-être, oui, oui, peut-être, mais. and the latest we are going to see here, the same thing. je ne suis pas si sûr que toi, je ne suis pas si sûr. so you don't want uh, to express how strong is your disagreement. you want to just say that you're not so sure that uh, you. Je ne, si hmm, je ne suis pas si sûr que toi. Je ne suis pas si sûr que toi. Je suis pas si sûr que toi. Je suis pas si sûr que toi. In spoken French, and of course, because all these sentences get uh, different meanings, you can mix them. For example, you're on your phone and you are arguing with someone, so you can say, alors là, non, je ne suis pas d'accord. Alors là, non, je ne suis pas d'accord. The answer is, mais. Laisse-moi en placer une. En placer une is to put one. The meaning is uh, uh, to add a word. En placer une. Laisse-moi en placer une. Tu as tort, c'est tout. Tu as tort, c'est tout. You are wrong, that's all. S'il te plaît. You can write this way if you want. Actually, yes. You say please. S'il te plaît. N'insiste pas. Tu dis n'importe quoi. N'insiste pas, tu dis n'importe quoi. So here is the conversation uh, by texting. Alors là, non, je suis pas d'accord. Oh, mais laisse-moi en placer une. T'as tort, c'est tout. S'il te plaît, n'insiste pas, tu dis n'importe quoi. OK So it was 10 ways to express your disagreement in French. Thank you for watching this video. Maintenant, c'est fini. Alors, je vous dis au revoir et bon français